Donc, salut tout le monde, on se reprend pour du Dead Rising 1. Là, ce planning-là, c'est dans le fond, ça va être une nouvelle game, mais tu sais, je continue mon personnage qui est niveau 43 après ma première game de terminer. Donc, là, le but de cette game-là, c'est de faire les succès. Quel succès? Ok, celui-là, ça me surprendrait. Celui-là, oublie ça. Escorter 8 survivants en même temps, ça, j'aimerais bien ça le faire dans cette run-là. Celui-là et tout. Mais je vais plus me concentrer sur lui que sur lui. Collectionner tous les portraits dans le carnet, j'espère l'avoir dans ce run-là. Goûter à toutes les nourritures disponibles dans le centre commercial, je peux peut-être essayer, mais je pense pas l'avoir. Casser au moins 100 objets, peut-être, mais je pense pas. Ne pas rater la cible avec une mitrailleuse. Ça, je pense c'est contre les forces spéciales. Je pense en tuer 10. Ça, je serais peut-être capable. Photographie, non. Répondre à tous les appels de tir. Ça, c'est un succès que je pense que je vais essayer vraiment de faire dans ce run-là. J'ai le petit guide de tout à l'heure qui m'a aidé pour les 50 survivants. Puis je pense que ça dit tous les moments où que Otis est censé t'appeler. Donc, il faut juste que je ne coupe pas Otis. Sinon, je reload ma game. Passer au moins 24 heures à l'intérieur. Non, je ne pense pas l'avoir. Celui-là non plus. Celui-là peut-être. Celui-là non plus. Non. Moi, sûrement l'avoir celui-là à la fin. Arriver à la vraie fin sans être mis KO. J'aimerais ça l'avoir. Mode extra. Il y a des bonnes chances de l'aille. Fait que dans le fond, j'ai une bonne coupe de succès que j'envisage faire dans ce run-là. Est-ce que je vais tous les avoir? Je ne pense pas, mais. Ben, tous les succès que j'envisageais faire, mais. Je vais essayer d'en faire une couple. Donc, je commence ça. Par exemple, ce shot-là, je vais skipper les vidéos. Pourquoi? Ben, parce que. J'ai fini le jeu il n'y a pas si longtemps. J'ai fini le jeu, ça fait quoi? Peut-être 1 heure de ça? Fait que. Je vais skipper les vidéos. Juste. Concentrer sur le jeu. Comme ça, je skip le tutoriel, ça me donne quasiment pas de PP, puis je suis rendu niveau 43. Quand je l'avais fait la première fois, je l'avais fait parce que je me disais, tu sais, vu que je commence niveau 1, ça va m'aider. Donc, je vais même pas prendre une photo de Carlito, je me concentre pas trop sur les photos ce run-là. Je sauvegarde pas de suite. Donc là, dans ce run-là, je pense pas. Je vais pas essayer de sauver du monde. J'ai fait le succès sauver 50 personnes dans ma première run dans ce jeu-là, mais là, je pense en sauver très peu. T'sais, même Jeff et Nathalie, là, les deux survivants qui sont sur le toit à côté de la planche, je pense même les tuer. Donc je skip ça. Je peux pas l'attaquer, je vais lui donner un coup de pied, mais je peux pas. Là, je me grouille un peu. Mais disons que ce run-là, d'après moi, il va se passer beaucoup de temps, ou qu'il va se passer pratiquement rien. Qu'il va y avoir des temps morts. Puis la raison pourquoi, c'est parce que j'ai pas l'intention de faire toutes les quêtes. De sauver tout le monde. Quoique ceux-là, c'est impossible à les sauver, le monde qui sont dans cette zone-là en ce moment. Donc, bon. Ok, chose importante, je vais aller sauvegarder. Ouais, je vais essayer tout le temps d'alterner mes saves.
Donc là, j'ai la carte et le transmetteur. Le transmetteur, c'est pour que je réponde à tous les appels de TIS pour avoir le succès. Dans un moment, il faut tout que je réponde à ces appels, mais faut pas que je le coupe. Fait que si, admettons, je réponds, puis il y a un zombie qui m'attaque, c'est comme si je le couperais. Ou si j'essaie de changer d'item, ça peut le couper. Fait qu'il faut bien que je me concentre là-dessus. Là, il y a deux personnes sur le toit. Je vais les sauver. J'avais pas l'intention de les sauver, mais vu qu'ils sont... Vu qu'ils sont vraiment pas loin de la planque, je vais les sauver. Mais d'un autre côté, ça me tente de le tuer. Fait, est-ce que j'ai tué ou j'ai tué pas? Ah ben là, regarde, je les ai toutes sauvées tout à l'heure là. Tu sais comment ils se vident de leur sang, ils ont tellement de sang. Vraiment, le but de ce run là, c'est vraiment, je me concentre sur certains succès, j'ai pas le goût de sauver tout le monde. Pourquoi j'ai pas le goût de sauver tout le monde, c'est parce que, oh boy. Ça m'avait fait chier tout à l'heure. Tout à l'heure, je traitais des survivants d'attardés, fait que là, j'ai pas le goût de gosser avec eux autres. J'aurais pu m'essayer, genre, tu sais, j'essaie de les sauver, puis si je les sauve pas, tant pis, genre, l'autre pas ma game, mais non. Quand je m'en fous aussi. Donc là, je devrais peut-être recevoir un appel d'Otis. Non, vraiment pas long. Puis il y a comme une cinématique qui se déclenche. Fait qu'il faut pas que je le coupe. Parce que si je vais dans cinématique, là il y a Otis. Mais si je continue par là, il y a une cinématique qui se déclenche. Ça fait en sorte que je coupe Otis. Là, il y a de quoi que j'ai manqué. Ok, fait que on continue. Bon, une fois que ça a marché, cette attaque-là, d'habitude, ça marche quasiment jamais. Ben, sur la one à cause de ma manette. Donc là, j'ai pas d'appel. Donc le jeu devrait aller plus vite vu que je pense moins loader ma game. Vu que je vais skipper les cinématiques, ça devrait aller beaucoup plus vite. Là, j'aurais reçu un appel sûrement. Où je viens d'arriver à Paradise Plaza. Fait que je vais aller par là, parce que d'après moi, je vais recevoir un appel dans vraiment pas long. Non? Ok. Oh, la balle a apparu à terre. J'assure que j'aurais reçu un appel pour me dire que j'étais à Paradise Plaza.
Le prochain appel, je dois recevoir, c'est à 3 h. Ah, j'aurais dû aller chercher mes skates avant. J'ai à 3 h, mais d'après moi, le guide il est pas perfect. Parce que je pense que je vais recevoir un appel avant 3 h quand je vais aller. Quand je vais aller dans le parc, je dois recevoir un appel. Donc là, je vais aller sauvegarder. Tout d'un coup, qu'il se passe de quoi de. Me fait chier. Ouais, ça, je pense que je peux le prendre en photo, puis ça me donne des pépés. Non? Ah, je pensais quoi? Ok, donc là je devrais recevoir un appel. J'imagine, même si ça le dit pas dans le guide. Non, ça. Il me semble que je serais censé recevoir un appel. Ah, peut-être leur guide est bien correct. Je sais pas si je l'avais dit, je pense que je l'avais dit, mais c'était le guide que j'ai utilisé pour les 50 survivants. Quoique au début je l'utilisais pas le guide, je l'ai utilisé genre rendu à la moitié du jeu. Mais là je vais l'utiliser seulement pour les appels, je l'utiliserai pas pour sauver les survivants. J'ai pas le goût de péter mon skate pour ça. Là, je pense que je devrais recevoir un appel. Dans vraiment pas long. Il y a de quoi qui est tombé. Ah, c'est mon skate. Ah, parce que Brad m'a donné un gun. Mais je veux pas son gun. Là, c'est pas pire, Otis m'appelle pas. Ça me fait un peu chier si j'aurais aimé ça avoir le gun de Megaman en faisant ce run là, mais je vais me passer de ça. Ah oui. Ok, je vais me tasser. Yes, ok, faut juste que je me tasse un peu. Parce que quand il arrêtait pas de me donner des coups de pied, c'est parce que je voulais trop foncer dessus pour l'attaquer. Puis là, quand je me suis reculé, il y a comme. J'ai pu l'attaquer après. Donc, je skip ça. Là, je pense que je vais recevoir un appel de Tiss. Pour me dire que j'étais à full court, non? Ça fait bizarre de voir Dead Rising en français, parce que ça tweetait, moi je l'ai en anglais. Je sais pas si je pense que les Européens ils l'avaient déjà en français le jeu. Ça tweetait, mais ça. Nous autres à tweetait au Québec, on l'avait en anglais, pour peut-être certaines personnes. Je pense que la plupart du monde avait une copie anglaise. J'ai jamais vu Dead Rising en français au Québec. Donc, parti sauvegarder avec succès.
Brad, j'ai même pas besoin de l'aider, il devrait se débrouiller tout seul. Les seuls computers intelligents dans le jeu, là, ben dans les survivants, là, dans ceux qui tes alliés, là, les seuls qui sont qui ont de l'allure, c'est ceux pour les quêtes principales. Le reste, là, ils sont tous attardés. Ok, fait que ça, je pense que c'est l'appel à 3 heures. Fait que là, je suis correct. J'ai eu le scoop de 3 heures. Qui est le scoop de Kent. Ah, il va falloir que je fasse la quête de Kent. Ça, j'ai pas le choix. Ben, je pense. Pourrais je me renseigne sur le guide. Avoir un guide direct juste pour ce succès-là. Parce que là, de même. Parce que tu sais, il y a du monde que tu sauves, puis après ça, il te redonne une quête supplémentaire vers la fin. Un encre, je vais le manger. Donc là, à 4 heures, je devrais recevoir un autre appel. C'est sûr que s'il vient avec moi, il va me donner un peu de pépé. Je pense que ça, je vais faire. En plus, il y a full de bouffe. Je vois plus genre mon col ici, genre. Quelle heure? Quasiment 4 heures. C'est là que je devrais recevoir deux appels dans vraiment pas long.
On a à peu près 5 minutes. Je vais aller me chercher une autre mitraillette, mais je pense qu'elle n'est pas apparue, vu que je l'ai encore dans les mains. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un des survivants que j'avais pas réussi à sauver durant, quand j'ai sauvé les 50 survivants. Puis les deux autres étaient pas longtemps après, après lui. Donc c'est pour ça au début, je pensais, quand j'avais fait ma première run, je pensais pas avoir le succès des 50 survivants. Il est en train de mourir, mais je m'en crisse bien raide. Si tu meurs, je pense qu'en finissant le jeu, je pense que je vais être rendu niveau 50. Puis pour les 8 survivants, je préfère pas pogner eux autres. Je préfère, tu sais, quand il y a le Joe, là, la femme policière, il y a comme 4 survivantes. Plus. Parce que quand j'avais eu mes 8 survivants, c'était avec. Oh, 1,69. Donc, ouais, c'est ça. Quand j'ai fait les 8 survivantes, j'avais été avec la quête de Joe parce que t'avais 4 survivantes d'une shot. Puis les 4 autres, c'était à peu près dans ces temps-là. Je sais plus quelle exactement j'ai pogné. Faudrait que je check ma photo. J'avais pris une photo de genre les 8 survivantes avec moi. Puis les 8 survivantes avec moi, mais mortes. Parce que je les avais toutes tuées à la fin. Parce que je l'avais juste fait ça juste pour le succès. Puis je pense que je vais faire la même affaire, cette shot-là. Donc là, je leur fais ça. Parce que. On me donnait un peu de pépé, mais tu sais, j'augmente pas de niveau avec ça. Contrairement à quand j'avais fait ça durant ma première run, ça m'a augmenté le niveau. J'avais fait tous les tapis, plus fait les punching bags. Ça m'a pris pas mal plus de temps pour les punching bags, disons, parce que j'avais pas le katana. Est-ce que je vais recevoir un appel ici? Aller là. Je sais pas si je vais avoir les psychopathes drette là, mais je pense que c'est un peu plus tard dans la nuit. Puis je devrais probablement recevoir un appel dans vraiment pas long. C'est vrai que là ça va bien tourner à droite, mais ça va être sûrement temporaire. Non, ça va mieux. Combien de temps, je sais pas. Ça va beaucoup mieux, disons.
Là, je vais faire sa quête. Puis dans à peu près une cinquantaine de secondes, je vais recevoir un appel. No good, man. Smile. 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 Perfect. Kazma. You old sack of crap. On dirait qu'il tire en haut, je sais pas trop pourquoi. Je pense que je l'ai. Ouais, yes. Ok, je vais répondre. Ces deux-là et tout, je les avais manqué la première. Ben, ma première run de Dead Rising sur Xbox One. J'avais manqué ces deux survivants-là la première fois. Là, il est rendu où, Kent? Oh, il est là. Merci de m'avoir poussé. Merci de m'avoir poussé. Je pense que j'ai pas assez. Je pense qu'il faut que je le prenne en photo pendant qu'il me prend en photo ou après qu'il me prenne en photo, je sais pas. Fantastic. Perfect. Ok, perfect.
Donc là, je vais aller sauvegarder. On va retourner dehors pour que Sophie Richard meure. Fait comme ça, je vais peut-être recevoir l'autre appel que j'ai pas reçu encore. Checkez ça comment c'est vide tout à l'heure là, à un moment donné c'était plein de zombies ici là. Fait que là j'imagine que Sophie Richard va être dehors avec les trois prisonniers. Et son mari. Non, pas encore. Bon, mais je pense que je vais aller tuer les deux que j'avais manqué durant ma première run sur Xbox One. On va les tuer, comme ça peut-être l'autre quest va popper. Parce que moi, sûrement en récupérer un. Non? Ok. Donc là, je vais aller éclater la tête aux deux gars. À sauvegarder. Essayer de sauvegarder le plus souvent possible. Tout d'un coup, je manque un appel ou qu'il se passe n'importe quelle connerie. Chris, la première fois que j'ai joué là. Ok, ouais, c'est ça qui s'est passé. Lui était mort d'une autre façon, par exemple. Ça y a des biscuits, je vois. Donc là, je devrais recevoir un appel quand je vais changer de zone. Pour me dire qu'il y a un scoop dans la zone que je suis en ce moment. Ils me disent rien là. Ok, c'est cet appel-là que je voulais. Mais je ne vais pas faire cette quête-là. Ben, je pourrais aller y éclater la tête. Fait qu'on va aller éclater la tête de la bonne femme.
pense que c'est juste là. Bonjour. Hey, ça est plus solide que les deux gars en tout cas. On va attendre qu'elle se lève. Peut-être que je vais être capable de la poigner dans la tête direct. Parfait. Oh mais. Ok, fait que là je vais aller sauvegarder. Les quêtes vont vraiment vite de cette façon-là. Je vais me healer. Je vais m'emmener du vin tant que ça. Oh, j'ai plus le katana. Ça fuck un peu mon planning. Je pensais que j'avais encore le katana. Parce que là, il va sûrement avoir les gars, les trois prisonniers. Avec la fille, il faut que j'y éclate la tête. Non, elle n'est pas apparue encore. Bon, tant mieux, je peux aller chercher mon katana. Fait que là, je m'en cherchais une katana. On va essayer de me garder des balles dans la mitraillette. Il y a 19 photos, je vais reloader ça au cas. Même je pense pas prendre beaucoup de photos. Tant mieux. So that's what Dr. Barnaby said, huh? The old coot's not dumb. He wants us to call for help first. We gotta line out or what? The signal's being blocked. I can't even contact HQ on the emergency line. So, if
we want to get our hands on Dr. Barnaby, we're gonna have to secure a way out of here ourselves. Ouais, j'avais dit que je coupais les vidéos. Donc, on va sauvegarder. Par contre, j'aurais besoin du raccourci dans Wonderland. Donc, il y a quelqu'un, faut qu'il. Cette personne-là qui me donne le raccourci, il faut que je le sauve. Mais peut-être que je n'ai pas obligé de le sauver au complet, juste me rendre aux toilettes, après ça, je peux y éclater la tête. Garde des abeilles pour tout à l'heure au cas. Ben ça va aller mieux disons avec des abeilles. On va aller sauvegarder en même temps. Parce qu'il va sûrement avoir les trois prisonniers dehors. Ce que je me demande, c'est pour répondre à tous les appels, est-ce que. Parce que tu sais, il y a des survivants, genre Simone, Kendall, qui c'est que d'autres. Ronald, je pense. Ou Donald, qui font des mutineries ou qui refont des appels de la planque. Est-ce que ça compte, ça? Ah, ben, j'ai eu ce succès-là. Ça, je pense, c'est accumulatif, ce succès-là. J'ai oublié de me reprendre un autre katana. On devrait bien aller là, le reste, pour le, ce combat-là. En tout cas, j'espère. Je sais pas s'il peut se coincer ici dans l'eau. Ah, je pensais l'avoir.
Fuck, c'est pas ça que je voulais faire. Ban, je pense que je vais la laisser crever ici. Ça sent avoir une mitraillette pas loin. Ou ils me l'ont vu seté. Mais elle est morte. Ok, ben je trouve vraiment pas la mitraillette que j'avais qui était après le char des prisonniers. Ça me fait un peu chier, j'aurais été tué Cletus avec. Donc je vais aller me chercher une autre mitraillette pour Adam le clown. J'ai oublié d'aller me chercher un katana aussi. Disons que les mitraillettes, ça allait pas super bien avec Contadan. Donc là, j'aurais sûrement recevoir un appel pour me dire que je suis à Wonderland Plaza. Okay. J'attendais juste le bon moment pour répondre. Donc là, je vais retourner aux toilettes, aller sauvegarder.
Je vais recevoir un appel pour me dire que j'étais à North Plaza. Je vais attendre ici. Je ferai Cletus un peu plus tard d'après moi. À 9h, j'aurais recevoir un appel. Oh, il y a un zombie direct derrière moi qui m'attaque pas. J'attendais qu'il m'attaque. Est-ce que je peux rentrer là? On va tout recevoir l'appel de là. Je pense que je vais attendre ici jusqu'à 10h pour recevoir mes deux appels. Mais je pense que je suis pas obligé de répondre aux appels de quand que, mettons, quelqu'un veut du vin, quelqu'un veut un gun, si je les ai pas sauvés. Parce que il me semble que quand j'avais fait le succès, je les avais pas sauvés, et j'avais pas répondu à ces appels-là, me semble. Checkez-moi les zombies. Je pense que je vais y aller à 10h. À 9h, je pense que j'y vais. Je pense qu'on va faire la quête du clou.
J'ai l'impression que ça va mieux aller peut-être le clone ce shot-là, vu que j'ai plus de vie, j'ai plus si j'ai plus. Ouais, le fait d'avoir plus de vie, plus de vitesse, plus tout ça. Plus gros inventaire, j'avais pas emmené autant de bouffe quand j'avais fait le clone la première fois. Donc là, il y a tous les deux japonais que je devrais recevoir un appel dans moins de 5 minutes. Mais là, vu que je suis dans cette zone-là, je devrais pas recevoir l'appel. Il va rappeler après quand je vais changer de zone. Donc, une petite sauvegarde avant d'essayer le clone. De me mettre ce gun là dans les mains. Comme ça, on va me faire une place d'inventaire de plus vite. Ok, je vais laisser protéger. Je tirerai pas parce qu'il va se protéger automatiquement. C'est juste pour qu'il arrête de faire son attaque. Shit, ça m'a poigné et tout. Des ballons. C'est de l'attaquer avec mon épée. Calice. Faut vraiment que tu l'attaques au bon moment parce que je pense qu'il se protège tout contre les attaques au corps à corps. Il peut péter tes items en quasiment une shot. À coup de balle juste pour qu'il change d'attaque. Normalement, il me semble qu'il lance plus qu'un couteau à shot. C'est peut-être parce que j'étais trop proche de lui. Non, check. Il... Ça, c'est une attaque qui fait beaucoup de mal. Quand il attaque avec les Chansa, là. Quand il te pogne, surtout quand il commence son attaque avec les Chansa, là.
La raison, plus il y a de l'air dans le ballon, plus ça il buzz pendant longtemps. Genre, t'sais, il arrête d'attaquer, puis. Quasiment dead. Je me suis même pas healé une fois à date. Puis j'ai encore mes deux mitraillettes. Ben j'en ai une à moitié, mais l'autre je sais pas. Ok, fait que là je sauvegarde avant d'aller chercher l'autre. Pourquoi? Parce que d'un coup que je manque ma shot. Ça me tente pas de refaire le boss. Donc, en sauvegardant avant d'aller chercher. Il y avait une abeille ici. Ah, ça fait un peu chier, mais je vais. Je vais prendre l'abeille. Je préfère avoir l'abeille que la mitraillette. Donc là, je devrais recevoir un appel dans pas long pour me dire qu'il y a un scoop à North Plaza. Si je change de zone, ils vont me dire qu'il y a un scoop dans la zone de Wonderland, qu'il y a deux japonais, que là je peux pas sauver vu que je suis dans la zone. Les deux japonais sont genre dans la bibliothèque qui est là-bas, juste le projet 3 policiers. Là. Donc là en ce moment il n'y a pas de zombicide, puis il va en avoir qui vont apparaître sûrement. Et oui, il y en a qui sont apparus. Shit. Je pense que je vais me vider d'un abeille direct. Pour poigner la chance. Frank! On va essayer de piler ces verres. Je sais pas si ça marche. Ouais. Il faut pas que je le tue parce que pour escorter les 8 survivantes, j'ai pas le choix d'avoir le shortcut. Mais je suis pas obligé de le sauver, je pense. Juste de. Qu'il monte le shortcut, puis après ça, c'est correct. Frank! Frank! Je sais pas pourquoi tu veux reculer, Rizaka. Frank! Frank! C'est pas fait. Il avance, il avance au moins. Shit, j'ai fait. Je pense que je l'ai pogné un peu. Fait que là, j'essaie de le tuer. Ben, je vais sauvegarder avant. Par ça, j'essaie de le tuer puis d'essayer de repasser par le passage.
Là, il parle des deux Japonais à Wonderland. T'es prête? Non, mais cool, je peux encore passer par le passage. J'étais pas sûr si fallait que je le sauve carrément pour pouvoir passer ou si je pouvais juste passer une fois. Faut juste passer une fois. Donc, ouais, je peux y retourner. Mais je vais pas y aller tout de suite. Je vais aller tuer les deux Japonais avant. La raison pourquoi je fais ça, de tuer le monde, c'est parce qu'après ça, il me donne des quêtes plus vite, Otis. Ici, il y a un livre. Et le livre, il est là pour parler japonais, pour pouvoir parler à ces deux-là. Quel est le livre? Oh, ben ça peut être pas pire pour les Chansa, ça. Ça m'aurait aidé durant ma première run. Parce que, tu sais, quand ça fait une couple d'années que tu joues pas au jeu, il y a des choses que tu oublies. Donc là, je vais aller faire Ombre de North Plaza. Je pense que c'est David qu'il faut que j'aille tuer. C'est pas un psychopathe, c'est un survivant, mais je vais aller le tuer pour que les quêtes pop plus vite. Parce que tu peux juste avoir un certain nombre maximum de quêtes, tout dépendant des survivants qu'il y a dans la quête. Parce qu'au maximum, tu peux escorter 8 personnes en même temps. Donc s'il y a une quête qui te donne 3 survivants, puis il y a une autre quête qui te redonne, mettons, 3 autres survivants, puis il y en a une de 2, ben là, ils vont pas te redonner des quêtes, même s'il y aurait des quêtes qui seraient censées popper, vu que tu as le maximum de survivants que tu pourrais sauver en même temps, qui est 8. Donc 3 plus 3 plus 2, donc 6, 8. Donc c'est pour ça. Je crois que des fois tu peux avoir 4-5 quêtes, mais ça mettons, tu as 4-5 quêtes ou que ça mettons 2, 2, 2, 2 ou 1. Je sais pas, j'ai manqué à sauvegarde. Je pense que j'ai manqué à sauvegarde. Parce que j'aurais été m'essayer contre Cletus. Dans le PDP, s'il est sur le bord de me tuer, je pense que je vais reloader ma game. Je vais genre quitter la game et je vais reloader. Je pense que c'est ça qui va se passer. Parce que je pense que quand les zombies m'attaquent, je peux peser pause n'importe quand. Fait que j'imagine que quand lui m'attaque, je peux peser pause n'importe quand. Je sais pas si je peux me rendre avec les Chansa pour l'attaquer. Je sais que avec des armes au corps à corps, c'est faisable de le battre, mais tu peux pas aller vraiment de l'autre bord du comptoir. Oui, tu peux y aller, mais il va te sacrer de l'autre bord. Il va te prendre, il va te pitcher de l'autre bord, Cletus. La dernière fois, ça avait bien été avec le gun des prisonniers, mais là, je l'ai pas en ce moment.
Donc, est-ce que ça va bien aller quand même? Je sais vraiment pas. Mais il faut que j'essaie de regarder quand il me reste. S'il me reste genre 2-3 coches de vie, là, je pense que je vais quitter. Je vais retourner au menu principal juste pour pas mourir. Parce qu'au cas que ça compte, même si je reload ma game pour l'affaire de KO. Fait que je vais me healer au bout. Regarde, il me pisse direct. Ah, si je l'ai quasiment. On va peut-être l'avoir. Yes. Fait que... Fusée à pompe... Il y a un autre fusée à pompe, je préfère fusée à pompe que snipe. Ben, les fusées à snipe, ça allait bien contre... tu sais, les snipers qu'il faut que tu battes, ça va bien. Je pense même que je vais m'en pogner un. Parce qu'il y a Carlito qui va apparaître dans pas tant long. Il me semble que c'est une de mes prochaines quêtes, le Carlito avec le snipe. Là. Il avait l'air d'avoir une abeille. Donc, sauvegarde.
là, je pense que j'ai fait cette page-là. Je pense, je suis pas sûr. Je pense que j'attends jusqu'à 6h du mat. Avant qu'il se passe de quoi. Ok, non, faut que je fasse la quête 1-4. Qui est ça? Là, je pense que moi et Brad, on va aller tirer le snipe. Si peux-tu. Non? Ok. Donc là en ce moment c'est pas mal du j'ai rien à faire à ce que je vois parce qu'ils disent que le prochain appel va être à 6h du mat pour me dire que Jesse veut me voir. Donc faut pas que je sois à planque à 6h. Mais là, je vais prendre un mini break. Je sais pas de combien de temps, je vais prendre un break. Donc, c'est ça. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Donc, je vous dis à la prochaine.